dans la nuit, t'as un abord vraiment, bon, t'as une faute, une barre, hein, c'est complètement de ta faute, hein, tu te jettes dedans, comme tu fais de temps en temps en obstacle, et ben, on a la même chose. Et puis le cheval, tu es sur une reine très courte, le cheval se défend beaucoup, et voilà. Voilà, on ne peut pas dire grand chose d'autre. Alors, il y a un contrat, je suis incapable de dire sur quel pied était la jument, je ne sais pas. Donc on va partir dans le bénéfice du tout, on va lui donner les 40 points. Je ne sais pas s'il était sur le bon pied. En tout cas, les deux lignes sont devant nous, une fois en 4, une fois en 5, une fois en 6. On sent qu'il y a un vrai travail du cavalier pour arriver à faire ce contrat. Ce qu'on va pouvoir reprocher, c'est que la jument est assez contrariée d'être obligée de passer au trot. Elle n'est pas habituée à faire ça dans un parcours, on voit bien. On a une sortie de double avec beaucoup de bagarres en sortie. Ça, cette courbe-là, ça ne nous plaît pas. C'est désunie, il y a de la bagarre, elle repart encore désunie. Et puis, du coup, comme elle est arrêtée, on a un très mauvais saut sur le 9. Et malgré tout, Florian, il ne se déconcentre pas, il continue, il arrive à faire son passage, il s'arrête bien dans la jaune. Et la dernière ligne, c'est vraiment très bien fait parce que la jument a une très grande action. On sait qu'elle rentre dans tous les chevaux, cette jument-là. Donc c'est très bien fait, il rentre très bien, très juste et il arrive à faire ses six filets. Donc on va faire le compte de tout ça. Et on donne tout de suite le départ à...